tour-là. Moi aussi. C'est combien? Un an? Ça fait au moins un an qu'on s'est dans mes projets, mon projet en cours, partir aux quatre coins du monde. Là. La recherche du poème, là, l'histoire de Cécile Coulon, ça faisait carrément sens. Cette fille, elle est intense. Je comprends que tu veuilles la rencontrer, en fait. C'est-à-dire que tu penses que c'est quelqu'un d'extrêmement intense, qui a une recherche de vérité absolue. Là-dessus, je pense qu'on a des points communs. Et puis, j'aime bien sa force d'écriture, quoi. Et on sent que l'écriture, l'art et tout ça lui permet de bien vivre, de mieux vivre peut-être. Mon projet, si elle est d'accord, si le projet lui plaît, de trouver le poème qui va en parfaite harmonie avec cette image-là. C'est vraiment la recherche d'un poème. C'est pas trop la destination pour moi qui est importante, c'est plus le cheminement, les belles rencontres. C'est une sacrée ambition. On va aller à Clermont-Ferrand. J'ai vu, elle a fait un article sur une boulangerie. Donc ouais. On va aller voir la boulangerie. Voir s'ils la connaissent. Et... Elle vit là-bas. Elle est là-bas. Bon, on te tiendra au courant. Mais non, mais ça m'intéresse. Peut-être que Cécile va t'emmener dans un café où elle va écrire. Oui, pourquoi pas. À Clermont-Ferrand. Pourquoi pas. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon.